Après le vote décisif à la Chambre des représentants à Washington sur une aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, Kiev attend avec impatience l'arrivée de ces fonds sur le terrain. Mais le pays devra patienter encore un peu. Le plan d'aide doit être examiné par le Sénat américain mardi avant d'être soumis à Joe Biden pour une dernière signature. Le président Zelensky met la pression pour que cette aide arrive au plus vite. І реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Côté européen également, certains pays se mobilisent. À Prague, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soutien au plan d'aide à l'Ukraine suggéré par l'Estonie. Il propose que les pays de l'UE envoient 0,25% de leur PIB à l'Ukraine, ce qui permettrait d'accumuler environ 120 milliards d'euros par an pour Kiev.